Salut saillant. Ouais, voici Captain Fleur de plus que son nom de champion master se trouve pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui, je fais un déballage, bien évidemment. Chose que je fais que très rarement. Mais mes déballages, c'est de quoi de qui est quand même assez important, comme vous comprenez. Une chose qui est sûre que j'ai pas fait de déballage, mais que je vous ai juste présenté, c'était la télévision. Il est pas fait en déballage, mais ça complète comme un écran, là, cette affaire. Là, ce déballage-là, c'est un déballage quand même assez important que j'ai fait comme achat. Dans le fond, c'est deux achats, mais vous allez comprendre. La première chose que j'ai acheté, dans le fond, c'est un micro, un NT61, qui est un micro quand même qui peut être de longue portée. Très pratique pour aller dehors. Ça sent 9 en plus. Et voilà. Ensuite, nous avons bien sûr ceci qui va avec pour mettre sur un trépied. Et bien sûr, ça pour mettre ceci. Mais je vais en avoir un autre dans je ne sais trop combien de temps. Mais ça, c'est pas grave. Pour l'instant, ça va faire l'affaire. Allons avec le principal. Dans le fond, qu'est-ce que je me suis acheté? Je veux juste dire le modèle, tout ça. C'est une XA11. C'est quoi ça, une XA11 que vous me dites? Une XA11, c'est une caméra vidéo. Ben oui. Mais cette caméra-là, c'est une caméra de niveau plus professionnel. C'est pas du semi-professionnel comme que je me suis fait dire, mais c'est de entrée professionnelle. Et voici la boîte de la caméra XA11 de Canon, dont Canon est une très bonne marque. Sachez que quand je parle de entrée professionnelle, sachez qu'il y a différentes gammes. Puis je viens de réaliser que j'ai pas allumé ma lumière. Désolé si c'est un peu sombre. Je suis vraiment désolé. Je vais arranger ça à l'instant même. Voilà ce qui est mieux. Bon, je vais reprendre la boîte, hein, quand même. Et ouvrons-le. Sachez que j'ai ouvert, là. On s'entend, là. Quand j'étais au magasin, j'ai vu qu'est-ce que ça va de l'air, là. Bon, on a ouvert. C'est cette boîte-là, exactement, qu'on a ouvert. Très important pour moi. Voici son contenu. Désolé, la publicité. Un manuel, le manuel de la XA11, XA15. Ah bon. Sachez que c'est du HD. Pas pris la mauvaise qualité non plus. Et voilà la caméra. La fameuse caméra. La voici, cette caméra. Puis on a un écran pour voir, bien sûr, un peu tourner. Qui va être très pratique, surtout quand je fais ceci. Pour être honnête, là. Le bouchon. On peut, bien sûr, filmer de main. Ou bien. Avec ceci qui va, c'est sûrement, si je me trompe pas, c'est des. Ça, mais si je me trompe pas, c'est pour le soleil. Si je me trompe pas. Pour que ça soit trop. Que le soleil rentre de trop dans la scène. Si je ne me trompe pas, sachez que je ne suis pas photographe professionnel ni caméraman professionnel. Je me débrouille. Je peux que je dise n'importe quoi, mais je pense bien que c'est pas mal ça. La pile, ou j'appelle ça une pile,
le chargeur. Ah, j'ai juste une pile d'ailleurs. Faudrait que j'en ajoute un autre. Ici, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est fun, c'est que, en plus, là, c'est que tu peux en mettre deux. Les cartes, tu peux le mettre soit que à intervalle ou en raid. J'ai du HDMI, je peux faire des vidéos en live, mais je ne peux pas en ce moment. Sachez que la seule façon, la seule méthode que je peux filmer, c'est encore de cette façon. Sans mon cellulaire, bien sûr. Dans le fond, pourquoi que je dis ça, c'est que il me manque un adaptateur. C'est tout. HDMI pour qu'il rentre directement dans l'ordinateur. Ça, dans le futur, je vais commencer à me filmer, mais pour l'instant, pas pour l'instant. Je prévois le futur. Dans le fond, la raison à laquelle que j'ai acheté cette caméra en particulier, c'est ce module-là. C'est ce module-là que la raison à laquelle que j'ai pris ceci. J'aurais pu acheter une qui valait à peu près le même prix que cette caméra. 4K, mais il y a deux seules choses que j'aime plus ou moins. Dans le fond, ce module. C'est la raison que j'ai acheté ça. Sachez que l'autre, c'était tout intégré. Pas mal. C'était tout intégré en une pièce. Puis, j'avais pas non plus ceci. Ça, c'est une autre raison aussi. En fond, ça, je peux mettre un micro. Je peux mettre ce micro-là à l'intérieur. Puis, littéralement. Puis après ça, je capture le monde, l'audio, tout le kit. Et ceci, et voilà. C'est simple que ça. Dans le fond, vous avez ce module que je peux insérer, que je vais peut-être faire, je vais mettre une main. Oh, oh. Mais dans le fond la raison pourquoi que j'ai pris cette caméra, c'est à cause de ce module là. Pourquoi? Parce qu'il y a deux prises ici. Bon, même si une rien, c'est pas si grave que ça, mais ici il y a deux prises qu'on appelle du XLR. Du XLR, c'est une prise audio qui est une prise audio analogique. Ceci, ce micro, est un micro à prise XLR. Ceci, si vous vous souvenez, c'est la même affaire que le micro. Plus long. Peut-être moins bonne qualité, bien sûr, parce que c'est 7-inch, mais quand même, elle fonctionne. J'en ai deux. On sait jamais. En même temps, il y a des modules qui sont pas pires que j'ai avec celle-là. C'est du XLR aussi. Dans le fond, le XLR. Bon, c'est dans ce cas-ci, c'est pas du XLR XLR, c'est du XLR un quart, jack un quart. Dans le fond, le XLR, c'est un XLR de type femelle. Ça a trois pins dans le fond, c'est de qu'est-ce qu'il y a de plus fiable dans l'audio? C'est de ce qu'il y a de plus fiable. Je suis technicien en son lumière, puis j'ai travaillé sans fil, des micros sans fil qu'on appelle aussi des bâtons, puis des fois c'est pratique. Après un certain temps, ah ouais, on pogne du filaire. On finit quand même à utiliser du filaire, qui est quand même beaucoup plus fiable. Comme par exemple l'internet. Tout le monde a l'internet sans fil, mais il y a aussi de l'internet filaire,
Si je vous dis que l'internet sans fil c'est pas la meilleure qu'il peut avoir, c'est très pratique, ça dépanne, je le quitte, ça peut être très rapide, mais ce n'est pas très efficace. Pourquoi? Parce que c'est des ondes, c'est les ondes se perdent. Quand on dit que filaire, ça ne se perd pas. Même affaire pour ça d'un fil XLR, ça se perd pas, ça reste. Il va perdre la puissance après un certain temps, mais ça va pas aller beaucoup, beaucoup plus loin que du sans-fil. Sans-fil ou tout ça, après quelques mètres, là, fini. Littéralement. C'est pour cette raison que j'ai acheté cette caméra, puis pour être honnête, j'en suis fier. J'avais vraiment, ça fait longtemps que j'y pense, bien plus qu'un an que j'y pense. Enfin, j'ai cette caméra. Je vais pouvoir filmer de meilleure qualité. Aussi bonne qualité. Équivalent à la qualité. Tandis que ça, c'est. Tu peux filmer du 1080. La différence, c'est que je peux filmer beaucoup plus longtemps. C'est une caméra vidéo, puis c'est conçu pour les vidéos. Dans 6 mois, j'aurai pas de pixel show parce que j'ai filmé trop longtemps. Non, c'est conçu pour ça. Alors, à ça l'heure. Bon, je suis de retour. Quelques jours plus tard, bien évidemment, après avoir déballé la caméra. J'ai pu faire quelques tests, puis je remarque vraiment la différence entre une caméra professionnelle et non professionnelle. Ok, je suis pas le meilleur, je connais pas toutes les spécialités que caméra non professionnelle. Qu'est-ce qui fait que c'est une caméra professionnelle ou non? Dans le fond, la caméra a un stabilisateur intégré. Et oui, littéralement un stabilisateur. Ce qui faisait quand on prend la caméra puis on bouge, au lieu de faire. Exemple, si je bouge sec, ça fera pas ça de la main, ça va faire plus fluidement. C'est vraiment ça la différence entre un stabilisateur et une caméra qui a un stabilisateur puis un qui en a pas. Puis une autre option qui est quand même intéressante que je ne savais pas, que j'ai su récemment, il y a un bouton. Mais ce bouton-là, il faut savoir c'est quoi. On peut le regarder, c'est dit bien sûr, écrit. Je peux filmer dans le noir. Oui, j'ai vraiment ça, j'ai vraiment un infrarouge intégré dans la caméra. Sauf quand à l'achat de ceci, quand que je regardais c'est quoi les performances et toute la quête, j'ai jamais vu qu'il y avait un infrarouge. C'est vrai que les frères rouges, ça fonctionne très bien. Ça va être quand même plutôt intéressant. Ouais, les frères rouges sera plutôt intéressant. Parce que je compte bien évidemment utiliser cette option cet été. Ok, oui. Ah, pour ça, faudra me suivre. Sinon, tant pis. En ce moment, je filme littéralement avec la caméra. Si vous me croyez pas. Voici mon cellulaire. Je filme littéralement avec la caméra, avec l'audio de mon micro que j'ai déballé en début de vidéo. Sachez que le principe de ceci, c'est que dans le fond, un micro, c'est un mono. C'est mono. Ce que vous entendez en ce moment, là, vous entendez avec soit ma voix avec le micro casque. Depuis le début, vous l'entendez avec le micro casque. Mais maintenant, je vais le mettre avec ce micro. Voilà. Maintenant, vous m'entendez avec ce micro. Ça, c'est juste pour... Dans le fond, j'enregistre avec mon micro casque aussi, d'ailleurs, pour une seule et unique raison. Dans le fond, j'enregistre avec mon micro casque parce au cas où que... La qualité serait vraiment misérable, mais ce que j'ai testé, ça a l'air pas si pire. De toute façon, c'est pas un micro en soi qui est fait pour cette façon-là. Ben, c'est fait pour pour capter à distance. C'est sûr que faut que je le teste encore plus, mais mais ça fonctionne, sans aucun doute. J'ai pas dit qu'il a fallu que j'aille
Après le travail que j'ai plus tard dans la soirée même, il était quand même presque. Il était 6h30 passé. Je repense à ça. Oui, mon fil XLR que j'avais déjà acheté. Ah ouais, j'ai pu aller et me chercher un fil XLR. Bon, dans le fond, j'en ai pris deux. Le micro, j'ai mis une mousse. Vous vous souvenez, un de mes déballages que j'avais acheté un micro comme celle que j'ai acheté? Bah, j'ai pris cette mousse-là. Littéralement. Mais revenons aussi qu'est-ce que je parlais de mono, tout ça. À la fois, un micro, c'est mono, littéralement. C'est 5 ans que si vous le mettez dans le port 1.8, c'est 5, vous l'entendez soit ce côté-là, soit ce côté-là. Puis c'est ça, le 1 et le 2. C'est pour ça qu'en ce moment, la façon que je procède, c'est avec Audacity. Là, en ce moment, vous pouvez voir qui enregistre. Ça, c'est le micro-casque, évidemment. Mais je peux prendre l'audio de ceci, l'emmener dans Audacity, enlever le bout pas bon, copier, faire un copier-coller de l'audio, l'inverser pour pouvoir le mettre en stéréo. Sachez que je l'ai fait au moins une fois. Et la fois que je l'ai fait, c'est simple, regardez la vidéo avec Steelers, la première vidéo que j'ai rencontré Steelers pour la première fois, que j'avais loué une caméra, je pense que c'est une XA15, si je ne me trompe pas. Pourquoi XA15? Parce que c'est marqué là. XA11, XA15. Je dis que j'ai essayé la caméra, mais c'est une XA15 que j'ai essayé et non une XA11 que j'ai loué. Littéralement. Bien sûr, le gain. Les PC. Vous m'entendez très bien en ce moment, mais j'ai baissé le gain, j'ai pas fait la même erreur. Puis aussi, j'ai un autre micro d'ailleurs. Faut juste que je cherche l'autre micro. L'autre micro, c'est un SM57, si je me trompe pas du nom, bien sûr, mais qui n'est pas un vrai, je peux vous dire. Un vrai, dans le fond, un vrai. Si vous l'ouvrez, vous le regardez, il va y avoir du gel dedans. Mais c'est celle-là, il n'y a pas de gel. C'est ça la différence entre un vrai et un faux. Dites-moi en commentaire, comment vous trouvez la différence entre ça, qui est mon micro-casque, et ça, qui est l'audio de micro. Juste me le dire en commentaire, ça va me faire vraiment plaisir de savoir. Même si en soi, je vais le découvrir lors du montage. Ouais. C'est sûr, je vais encore apprendre un peu à comment ça fonctionne ceci. Mais en règle générale, j'ai pas de problème. Alors pour ça, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, ce nouveau déballage. Bien sûr, le rythme avec lequel je vais utiliser la caméra. Ben dans le fond, c'est plus. C'est. Le cellulaire, disons, c'est moins intéressant d'utiliser parce que faut. Je place, faut que je regarde. Qu'est-ce qui est pas avec le cellulaire? C'est. Faut se dépêcher à le partir, l'enregistrement, parce que sinon, qu'est-ce qui arrive? On va dire sur cette application. Ouais, littéralement. Qui n'est peu intéressant. Quand je dis que là, la caméra, c'est faite pour la vidéo, je peux filmer 12 heures d'affilée. Je vais vraiment vous regarder un peu vite vite. Je peux filmer 12 heures d'affilée. Exemple, je vais le brancher là, avant que ça ferme tout seul. Sachez que sur une pile peut durer en. Ça dépend le mode, tout ça. Tu peux vraiment. On peut vraiment s'amuser. Je reste de m'acheter aussi par la suite, probablement une autre
pile. J'ai pas pensé à ceci. Je savais pas qu'il n'y en avait qu'une seule pile. Du moins, j'ai pas pensé à ce détail-là. Il va falloir que j'ajoute une autre pile pour une seule unique raison. Si, admettons, je suis dehors, je m'en vais en convention, tout ça. Faut bien que j'aie plus qu'une pile pour pouvoir fumer le plus que je peux. Côté satisfaction de la caméra, est-ce que je suis? Oui. Je peux dire, je suis satisfait de ma caméra. Est-ce que je vais utiliser cette caméra uniquement pour fumer de même? Pour l'instant, je veux pas bien filmer, mais j'ai goût de faire des affaires avec, mais faut que j'y pense qu'est-ce que je veux faire d'avant. Je vous dis une chose, par contre. Je veux, pour tous ceux qui écoutent cette vidéo, puis pour les plus anciens d'entre vous, vous allez être content de revoir une vidéo. Je vous en dis pas plus, mais si vous comprenez, tant mieux, vous êtes bon. Parce que je dis quelque chose, mais je dis rien maintenant. Ça, vous allez le découvrir en temps et lieu, puis assez rapidement. Ça, je peux vous le garantir. Très rapidement. C'est pas dans 6 mois que ceci. C'est pas dans une semaine ou deux. Mais quand même assez rapidement. Ah, pour ça! On va revenir au micro-casse. Juste pour faire la différence, hein. Ah, pour ça, n'hésitez pas à rejoindre mon équipage sur le navire de l'Est. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore visiter mon site internet dont le lien est sur la bannière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord dont tout le monde est bienvenu. Puis qu'est-ce qui est bien aussi, c'est que là, je me vois. Je sais, exemple, ici. Ça, ouais. Oh, et cette chaise-là. Comme ici, vous voyez ici, vous pouvez cliquer ici pour vous abonner de même. Désolé, fallait ça me tenter. Chose qu'avant j'aurais jamais pu faire ça par contre. Par exemple, tu sais, les youtubeurs, une fiche ici, ou j'aurais jamais pu faire ça. Il y a juste avec ça, parce que là, je me vois directement, là. Quand je dis qu'absolument, je me voyais pas, là. Là, je sais que... Attends un peu. Ça, c'est à la limite. Avant ça, je voudrais plus le mettre là. Avant ça, souvent, c'était à peu près là. Mais est-ce que je me... Là, je sais que je suis correct. Et je suis bien cadré. Même si j'ai de l'espace ici. Puis peu d'espace ici. Je sais tout ça parce que je vois. Avant ça, je ne le savais pas trop. Je le faisais, mais j'espérais que ça soit quand même correct. Puis ça coupe. Je ne savais pas que ça coupe. Quand ce que là, j'ai un point roux en plus. Je sais qu'il enregistre en ce moment. Puis qui peut enregistrer encore. Combien de temps? Pratiquement 1 heure. Littéralement. Je sais même combien de temps qu'il me reste d'enregistrement avec la pile. Je parle pas de carte mémoire, car j'ai regardé une carte mémoire au moins 8 heures. Ouais, c'est très intéressant. 8 heures d'enregistrement d'affilée, juste pour une somme minimum. Tout dépendant de la vitesse, qu'est-ce que tu veux faire. Imagine une base, tu n'as pas la meilleure performance, que tu peux enregistrer quelques jours sans arrêt quasiment. C'est fou là, quand on y pense. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée, on se retrouve pour une nouvelle aventure. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.